Est-ce qu'ils avaient les divals? Ben, ils mettent le couteau en bas sur la gauze. Et il finit par accepter ce qui finit passé pour le Parlement. Bonjour les amis Facebook, bonjour l'île Maurice. Aujourd'hui, nous le dimanche, 21 juillet 2024. Et mon parti pour intervenir, sauf qu'ils avaient dit Duval, ils font une conférence de presse et qui finit un petit peu d'une bonne indication le ce qui probablement capable d'arriver. Hein? Il n'est pas fini de dire. Les temps nous écoute sur conférence de presse, malgré qu'il s'est noyé de poisson avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de l'Inde avec l'histoire pharmacie, le fond de sa conférence de presse repose l'eau pas tous mon garçon. Ah. Alors, pour qui un papa arrivé, venant en public, surtout un homme politique de premier plan, hein, vient dire pas tous mon garçon, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Faut pas croire qu'il y a un nazis dans l'attaque de l'opposition voyou, hein, mais bizarre il y a l'autre qui se chose derrière. Ça a fait une nomination Adrien Duval là, une tout du monde perplexe. Comment tout du monde aussi pensait qu'il y a un peu d'intelligence, qui le 600 000 du monde actifs dans ce pays-là, pour les dire ben, adultes qui travaillent, etc., hein, c'est certainement pas Zizavili Dival qui non seulement qualifié, mais compétent et qui est capable de faire le travail des députés speaker. De speaker. Ou tu appelles moi, Michel Diagnat, right, ou dis-moi comme ça, ben, bien ça l'Assemblée là. Pfff. Puis on travaille plus couillon que ça. Et même pas pour la moitié prix, mais on a fait des cadeaux pour eux jusqu'à la fin de l'élection. Sans problème. Hein? Mais c'est qui capable d'arriver? Le temps nous guette la mine déconfit de Adrien Duval. Pas parce qu'il n'a pas crié pas derrière. Hein? La mine embarrassée, c'est exactement ce que tu peux dire, comment dire, sacrifice d'Abraham. C'est l'agneau. L'agneau, on ne peut pas faire rien, c'est l'agneau qu'on a emmené à l'abattoir. Il me disait prêtre ce serment, on a l'impression qu'il lui donne l'étau et pas capable de sortir là-dedans. Alors, qui est capable d'y arriver? Il n'a plus grand sens parce qu'il tient là une visite Xavier Duval Diagnat. Xavier Duval Ramgoulam, Adrien Duval Ramgoulam et Adrien Duval Diagnat. Adrien Duval, c'est un pion dans l'échiquier politique. Il n'a rien. Il a une assise électorale. Il a un rôle prépondérant sur la scène politique à Maurice. Qui lit Malini sur Boxing ou mon ami Guido, le poignard, jette à pied d'égalité. Sauf qu'il probablement ça n'a un avocat, mais avocat n'en a pas un millier d'euros, hein, donc on va pas trop trouver qui faire pour Avin Jagnat, Ramgoulam, discute avec Adrien Duval. Donc il y a quelque chose d'autre derrière. Et nous tout connaît qui. Et ban prédateur. Je vous guette ça, wild animal, ban scène de télévision. Nous guette li YouTube. Nous vous guette li animal life, si pas qui était. Et nous connaît comment ban prédateur attaquer. Si prédateur pour attaquer un troupeau de buffles, buffalo. Hein, bœuf appelle lui comment vous son cône, c'est pas vrai. Pourtant, il y a une grosse affaire, une grosse cône dangereuse. Si ça
pose l'eau ou crever. Ce qui se fait, je veille petit là, je isole lui, hein, et je farouche le gros de la troupe, les là, je bouffe. On a bien l'impression qu'il sait ce qui finit arrive, Michel Dival. Dridri. Hein? Ben là, bizarre, il a une affaire pour tenir les par les couilles. Code, pas capable de refuser. Si nous comprenons bien ce que Xavier Dival finit dire, le parti du PMSD, c'était une bonne valeur, c'était une bonne. Comment appeler? Un principe pour les affaires qui, et autres, quand je rentre quitte pas, et je ne vois plus que ça, un principe, etc. Le principe du papa et du leader du PMSD, c'est pas à capituler devant X, Y ou Z, mais faire bonnes affaires correctement. Mais ce doit être le principe du fils. À moi, il y a un principe totalement opposé du père. Puisque leader n'est pas parti. De PMSD. Il y a un même principe pour le PMSD, d'autant plus qu'il se pourrait qu'il soit l'héritier direct du trône dans peu de temps. Comment Adrien Duval est capable de faire fi du principe et à assise de sa trône du speaker là, hein, alors qu'il se papa Tindiali, ben, pas ce papa qui ne recommandait. Ce papa n'a pas fini de faire aucun offre et qui, le gouvernement, à travers Pravin Jagnad, n'a pas fini de faire aucune condition attachée à ça. Bougla est allé volontairement. N'a pas venu raconter certaines histoires que le pays a vendues, je ne sais pas qui couillonne, n'a pas venu bouvaner ça ici. Alors, il y a quelque chose de l'autre derrière. Nous tous connaissons comment Pravin Jagnad, depuis qu'il est au pouvoir, débroussaille tout autour Cannes, hein, pour prendre Cannes, pour amener dans les îles, pour faire d'ici. Tout ce qui est capable d'éliminer, il finit d'éliminer autour, après, il vise Cannes. Hein? C'est ce qui s'est passé pour Adrien Duval. Hein? Il se pourrait qu'il y ait une affaire, en dehors de cette affaire d'accident-là, qui banane mette l'eau à la table. Adrien vient faire le speakership, right? Nous touffons les affaires là, nous teignons les affaires là. Pas dire tout fait, parce que pour donner une connotation magouille d'hier, dire ben nous pas pour amener ça à la place publique. Je te rappelle les affaires Vikram Deyal, right? Je ne te mène à quoi pour qu'il n'y pas dire. Personne, aucun parti pas dire. Je te rappelle le cas Colin Davidou. Ni plus, ni moins. Je te rappelle papier Paul Béranger de l'affaire Saint-Louis, pas fin causé. Tu te rappelles les affaires Sherissing, hein? L'étant, Sherissing même, tu dis. Moi, pour causer, pour arriver à l'air, quand moi, pour causer, hein? Pas faussé. Tu te rappelles les affaires Sherissing, tu dis que tu touches ma famille, hein? Ah ben, mon parquet qui touche pour me dire l'autre famille. Nous, tous, Dival, avec Diagnat dans le Parlement, si tu causes le mot famille, tu causes le tétifi. Tu causes le mot garçon, tu causes le tétifi. Et tu vous avez Dival qui nous dit, 4 ans, il finit de manger, il n'y a pas de boire, il y en a qui sont sous l'or, il y en a qui boivent, il n'y a pas de boire. Donc 4 ans, ils finissent de déjeuner, manger ensemble, et ils connaissent beaucoup de secrets, pas faire les dire. Tout ça avec un tas de monde de haut. Un tas parlementaire. Il a trop beaucoup pas capable de nommer. Je tout finis dire pareil. Ce qui veut dire que chacun peut tenir ce cas. Moi, je te tiens par la barbichette. Hein? Et si tu bouges, me dire ça. Alors, revenez à Adrien Duval. Qui fait-tu besoin de nommer Adrien Duval sur le poste de speaker pour 41 jours ou bien un peu plus que ça, c'est l'élection jusqu'à 2025? C'est parce qu'il a un plan. Et couteau en bas la gauche,
Moi, parce qu'ils m'ont pas donné bénéfice du tout, là. Je dis, ah, bien, tiens, tiens, je dis, je finis rentre dans le cinéma là, et je paye juste une partition. Moi, le bénéfice du doute, et à lien avec ça ou pas, hein, à nous dire, coûte en bas la gauze. PMSD, une déo dans l'Alliance des Sports. Tu n'as place pour y aller. Seule place que tu as avalée, c'est dans l'Alliance avec MSM, ou en accord avec MSM. PMSD, s'il y a le parti extra-parlementaire, il est capable de tasser. Parce qu'il dit, il y a le fameux Bader, et il y a l'autre qui est Patrick Bilcourt avec Lino Maurice. Si Bader est capable, parce que Bader est pour toujours au pied du mur, si jamais je t'accueille, Duval exode. La famille Duval. Qui restait? Xavier Luc Duval et ce PMSD résistent MSM. Et pour qu'il est crédible, il est obligé, si on vit un NND élu dans le Parlement, il est obligé Alex Abana. Et Abana capable de dire non. Nous disposer pour travailler en toi, mais si tu as voulu aider, speak. À quel fait? Une affaire simple. Pravin, bien finit sa l'opposition là. L'une commence li avec Fokir. Pendant 5 ans, il finit God Fokir avec tout ce qui nous capable de reprocher Fokir. C'est pas à cause à cause des manquements de Fokir qui 41 jours avant l'élection qui li poutia Fokir là. Tout cela font partie de sa plan là. Puis on vit tirer Fokir pour que ça l'autre qui vienne là, vienne montrer à la population que l'opposition, avec ou sans Fokir, qui nous met Pierre-Paul Zac André, hein, l'opposition là, c'est ben voyou, hein, et qui, pour jamais dire, qui peut arriver jeudi prochain au Parlement. Nous avons un membre de l'opposition qui finit composé effectivement comme des hooligans au Parlement. Right? Et ça, pas pour capable, passe sans sanction. Alors, une première question qui m'appelait, Adrien Duval pour bien faire, guettait si pas pour Nîmes, pour Foudio, ou bien non. Right? Et si les Nîmes, ça banne là, parce qu'il connaît ben la tête qui s'y fait crier, ni tout le monde est trouvé dans la télévision. S'il n'est pas Nîmes, s'il n'est pas Diananien, il n'est pas en contradiction avec ben standing orders, avec les règles du Parlement, en contradiction avec tout ce qu'il faut qu'il a fait depuis ces 5 ans là. Même si nous sommes capables de reprocher, c'est un annexé. Il bien sanctionne ben l'indiscipline. Alors donc, s'il n'est pas fait, ah, il vous laisse ben précédent. Maintenant, s'il est fait, il peut suspendre combien? Une demi-douzaine? Ben qui est dans le couloir là? Pour plus. Comment il n'aime? Ce n'est pas Pravin qui pourra être l'occasion avec ce DPM, M. Steven Obigado, hein, qui pour dire, ben, sanctionne zot pour les prochaines 6-5 séances, chacun son tour, parce que ça fait, elle fait l'inventaire, toute l'opposition. Pour sanctionner, pour suspendre, du moins les ténors de l'opposition. Et qui arrive Parlement continue de rouler sans eux. Hein? Ça veut dire qu'Adrien Duval, content par content, avec les valets ou les pas les valets du PMSD, hein, il pourrait trouver dans la même situation qu'il faut qu'il et qui pour bien sanctionne l'opposition. Et l'opposition, lui, dans son rôle, mettons de parlementaires et de voyous parlementaires, il n'est pas pour laisser l'occasion saper pour exciter Adrien Duval pour briser prendre une sanction. Hein? Mais c'est dans le jeu politique, comment je t'appelais, même si la population est plein à couiller là-dedans. Hein? Donc nous trouvons devant une obligation, une histoire qui peut arriver très certainement à partir de la semaine prochaine. Que les risques
qui, Pravin Jagnat, se sert de Adrien Duval indirectement, avec une innocence totalement visible, baladant lui, hein, et que te trouve toute l'opposition sanctionnée. Pas mal comme stratégie. Il y a là que va arriver. Parlement pour eux, avec ben, le membre qui l'a dedans. Des arrêts indis. Qui vous trouvez? Tout le monde. Alors, moi, j'ai l'impression, moi, qui Hélène Santaz, dans sa affaire accident-là d'abord, et probablement, il y a autre chose que le gouvernement, les élus, le MSM, ENA, contre, vous m'appelez, Adrien Duval, ou même contre Xavier Duval, qui est capable de sortir avant l'élection. Un peu comme dans le cas de Yal, mais nous pas pour dire. Ta voiceuse là-bas, et non, nous n'avons aucune alliance, nous pas besoin de dire qu'il n'y a aucune alliance, tenez ferme de la gueule, l'esprit la travail, l'île fait ce qu'il nous dit d'y faire, et puis basta. Travail fin fait propre. Si mettre 6 membres d'opposition, Dieu, j'ai 10%. Right? Ah ben, qui s'en a qui peut dire non, c'est injuste? Ils se foutent des autres, ils sanctionnent les autres. Trouvez? Maintenant, à nous guette la dernière partie de la conférence de presse de Xavier Duval, qui ne cite pour l'occasion Corneille, le site de Corneille, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Dans le cas du PMSD, c'est le nombre des députés. Ah ben, moi, tu es content, rappelle Monsieur Duval, Xavier, père et fils. Aux âmes bien-nées peut aussi être bien interprété comme un ban qui fut né dans le bon coco. Dans le coffre-fort doré de la famille du grand-père qui ne laissait de père en fils qui fut accumulé pendant longtemps. Aux âmes bien-nées, ça veut dire ou né dans le bon berceau. Fut nourri à la petite cuillère d'eau, hein, depuis au petit-petit ou un âme bien-née. Les autres qui ne sont pas de cette catégorie-là sont les âmes mal-nées. Depuis 286 ans, 288 ans, hein, Pévini. Et mon capable rappelle Michel et Xavier Duval, qui sur électorat, qui finit une espèce réservoir acquis, hein, est bourré de dames mal nées. Et c'est sa balle-là qui fait lui, ex-garçon, vin les âmes bien nées. Depuis plus de 40 ans, 30 ans, 40 ans. Hein? Et qu'il y ait un intérêt à ne pas l'oublier. Hein? Parce qu'il y a une âme mal née là, capable de rappeler ça en temps et lieu. Nous sommes capables de beaucoup d'interprétations, l'eau, ses affaires aux âmes bien nées. Hein? Alors, puisque, soi-disant, à nous donner bénéfice du doute aussi, Xavier Duval fin quitte l'alliance, l'espoir, et soit à coup de pied, ou bien il claque la porte, il n'allait parce qu'il finit subir un affront, etc., etc. Ouais. Ah ben, nous capables de dire que c'est pas impossible qu'il servit le poste du speaker, ouais, pour se venger de ses amis de longtemps, il n'y a pas longtemps, avec qui il peut boire, manger. C'est là qu'il est en Adrien Dimani et Djali qui propose le poste de speaker, Djali, mais allez, hein? En fin de compte, qu'il fait Djali, si nous prenons nos bases,
Corneille fin dire dans le Cid. Il dit à ce petit comme ça, va, cours, vole et nous venge. Nous venge de qui? Du tandem Béranger Ramoulam. Donc ce qui peut arriver, j'ai dit, pour venir confirmer, hein, si bon Dieu bénisse mon lagel mofin passé, hein, qui le fameux nouveau speaker, hein, tout ce qu'il est capable, tout ce qu'il est pour faire, hein, under scrutiny, hein, pour capable confirmer qu'il est là pour aller venger l'honneur de la famille et du papa. Hein? Peut-être que c'est une lecture un petit peu académique de ce qui se passe, mais nous tous bien comprenons qu'il y a sa magouille politique là. Hein? Tout ben équation permet. Hein? Et c'est terrible quand on le trouve Adrien Duval hué par ses pairs d'avant-hier, hein? De la semaine dernière. Hein? Et nous trouve terrible une situation comme ça. Il y a un peu comme une situation cornélienne, là. Hein? C'est terrible comment Xavier-Luc Duval est maltraité par Paul Béranger et Cabana Pédimoni, l'opinion, la déclaration de Xavier Duval. C'est terrible. Alors, le fils, comme Rodrigue dans Corneille, hein? Et le Cid, le papa, il a sûrement dit, mais allez, va, cours, vole et venge-nous. Faites des commentaires décents, circulez la vidéo pour que nous tous nous fassions un petit peu de littérature, du moins nous amène littérature dans la scène politique actuelle, et à nous guetter, qui est derrière tout ça là? À nous guetter si Xavier Duval pour un courage, vin dire ce qu'il dit, mou capable de dire. Hmm? Après, il a été un faire foot, pas capable de faire comme un sérissing, comme un tout ce van couillon qui dit. Alors, à nous guetter. Bon week-end à tout le monde.